très bon, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui les gars, on se retrouve pour un petit vlog. Franchement, il est pas mal. Le vlog du 1er décembre, les gars. Franchement, il est cool. Et voilà, n'hésitez pas à commenter, laisser partager. Oui, je sais, je fais le forêt. Et voilà. Objectif de like, et voilà les potes. On est sur le parcours, hein, donc ça permet à Jean-Lecam de ne pas perdre davantage de temps. De toute façon, il est impossible de se rendre en Afrique du Sud car les courants sont contraires. Pendant ces 6 jours, évidemment, Kevin Escoff a interdiction d'apporter une aide à la navigation. Et cette colocation pose quelques questions, celle notamment de la nourriture, hein, puisque Jean-Lecam avait embarqué pour 80 jours et plus 7 jours de vivre. Il y a donc un peu de race pour partager avec Escoff, mais pas énormément. L'une des hypothèses envisagées par l'équipe, c'est qu'il soit ravitaillé de l'équivalent qu'il a donné au moment où il déposera le skipper PRV au site Kerguelen. Jean-Lecam reprendra ensuite sa route et la direction de course se réunira pour déterminer comment lui retrancher le temps et les plats perdus pendant ce stage. À lui, une trois autres qui se sont déroutés hier et qui eux ont déjà repris la route. Emma Sarango de la rédaction des sports de France Info, merci. France Info, 14h, 17h, Marie Bernardo. Et les prochaines minutes, on les consacre aux deux visages, aux deux carrières de Dan Sylvestre. C'est juste après le fil info, 16h40, Thomas Bellech. En Allemagne, dans le centre de Trèves, et selon la police locale, deux personnes tuées après avoir été heurtées par une voiture, 15 autres blessés, ajoute le maire de la ville, une personne arrêtée. Le contexte de ces faits pas encore précisé. Selon Emmanuel Macron, une vaccination pour les personnes âgées en EHPAD envisagée dès le début de l'année prochaine, ainsi que pour les personnels. Pour le grand public, ce sera entre avril et juin 2021. Déclaration du chef de l'État cet après-midi lors d'un point de presse avec le Premier ministre belge, également évoqué aujourd'hui par le président de la République. De prochaines mesures pour dissuader les Français d'aller skier à l'étranger pour Noël. Il parle de contrôle. Les stations de ski de l'Hexagone seront ouvertes pour les fêtes, pas les remontées mécaniques. Il revient au Sénat et à lui seul d'examiner et de réécrire l'article 24 de la proposition de loi de sécurité globale, mise au point du président Les Républicains de la Chambre, Gérard Larcher. Réaction à l'annonce d'hier des groupes sur l'Euro 2022. Il se joue à Vannes. Les Bleus de Corinne Diacre ont déjà leur ticket pour le championnat d'Europe. Anne Sylvestre, c'était deux vies d'artistes en une. Bonjour Yann Bertrand. Bonjour Marie. Une chanteuse pour enfants avec ses fabulettes, on en parlait il y a encore quelques minutes avec le chanteur Aldebert, et une chanteuse militante féministe. Elle aura vite dérivé la jeune étudiante en lettres qui pouvait se résoudre à voir sa vie seulement s'écrire. Alors très vite, Anne-Marie Le Gradi, Anne Sylvestre se fait engager. Thank you.
tickets d'or. Jusqu'à 50 euros carte U. Chez U, c'est vraiment Noël avant Noël. Commerçons autrement. Jeu avec obligation d'achat jusqu'au 12 décembre. Réservé aux clients carte U. Conditions et règlements sur magasinu.com. SFR présente le Noël idéal de Thomas. Déjà, ce sera un Noël bien préparé et avec la fibre. Comme ça, tout le monde participe. Léo pourrait chercher des...
sorcière. T'es sur quoi là? Comment ça? Tu filmes sur quoi? Sur mon film, dans les photos. Non, oh. Vas-y, bisous mon rey. Bisous la famille. Vas-y, bisous. Bisous. Enculé de ma part. Bisous mon cœur. Oui. Y'a pas de taxi. Mais si, il y avait un taxi bus là. On croit d'attendre un taxi. Wesh, les gars, je veux ouvrir ça, tout simplement. Oui, j'ai un calendrier de 9 ans. Voilà. Mais je vais tout simplement ouvrir le calendrier de l'avant. Voilà, nickel. Attention. Voilà, ça c'est fait. Et boum! Gold 31, le 25, ça va être un jour très spécial. Hein. Très spécial. Déjà, il y aura un live, hein, ça c'est sûr, clairement. Les gars, le premier, il est où? Le premier. Ah, il est là. Tiens, bismillah. C'est pas mal, bah je vais le manger. Et voilà les refs. Voilà, dégustation. Pas mal. Oui, je mange en vidéo. Je mets du temps à manger. Hein. Voilà. Du coup, voilà, ça y est, on a fini le 1er décembre en vidéo, les gars. Oui. Du coup, demain soir, je vais attaquer le 2 qui est. Désolé. Moi, du coup, franchement, c'était un peu une journée spéciale parce que déjà, on est le 1er décembre et ouais, bon, ça n'a rien à voir. Et déjà, j'ai fait une prise de sang. Hein, voilà. Voilà, j'ai fait deux tests pour la SSR. J'ai fait, enfin, c'est en gros deux pré-ASSR, quoi. De base, il y en avait un, mais ils en ont rajouté un deuxième parce que voilà. Bon, sur le deuxième, j'ai fait pas mal de fautes quand même. Ne m'en voulez pas. sinon, ouais, je peux bien me débrouiller, quoi. Mais franchement, ouais, c'était une journée assez spéciale. Et du coup, jeudi, je passe la SSR1, les gars. Franchement, j'ai trop hâte. Et voilà, les gars. Désolé. Voilà, les gars, du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu.
Voilà, on se retrouve demain, le 2 décembre, jusqu'au 31, hein. Et peut-être que le 15, ça va être un jour très spécial, parce qu'on va être redéconfiné, peut-être. Inch'Allah, comme on dit. Et, voilà. Oh, bah tiens, il y a mon père. Et puis, voilà, j'espère que, Inch'Allah, dans 2 semaines, le 15, on va être redéconfiné. J'espère. Mais voilà, c'est pas nous qui décide, hein, sur l'avenir nous le dira. Et voilà les gars, on se retrouve demain. Allez, salut, ou sinon en live.